Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Est-ce que vous allez bien? Je suis vraiment désolé. Vraiment désolé. Je peux vous conduire à l'hôpital? C'est bon, je vais bien. Je vais bien. Oh, vous êtes sûr que... Où est-ce que vous allez? Laissez-moi faire quelque chose pour vous. Je n'ai nulle part où aller. Je ne suis pas d'ici. Je cherche un boulot. N'importe quel boulot. Ah, eh bien, peut-être, je peux peut-être aider. Vous pouvez m'aider? Oui. Merci beaucoup. Oh, montez dans la voiture. Donnez-moi ça. Montez. Comment est-ce qu'une sale guenon s'est-elle retrouvée dans cette maison? Où sont les employés? Qui est-ce qui t'a ouvert le portail? T'es une voleuse? Non. Tais-toi! Je ne suis pas une voleuse. Qui t'a permis d'entrer? Maria? Madame? Maria, on dirait que tu veux perdre ton boulot. C'est comme ça que tu laisses entrer n'importe quel chien errant dans cette concession? Elle n'est pas un chien. Oh, Oscar! Je pense qu'il est très méchant. Il m'aime horrible de traiter un être humain de chien. Surtout si tu ne sais même pas qui elle est. Tu la connais? C'est mon amie. As-tu quelque chose contre elle? Moi? Non. Bien. Maria, tu as déjà fini? Oui, monsieur. Je dois juste aller chercher votre repas. Très bien, alors. S'il te plaît, conduis-la à mon appart. Oui, monsieur. Tout de suite. Viens. Viens avec moi. Viens. Maria? Monsieur? Comment elle va? Elle va bien, monsieur. Elle prend son bain maintenant. Ah, ok. C'est bien. Et comment sont les pyjamas? Bien. Elle en a pris un porte-porté et je lui ai dit que je laverais celui-ci et le ramènerai demain. Oh, ça c'est bien. Merci infiniment. Ah, aucun problème, monsieur. Je vais y aller maintenant. Oh, ok. Vous voulez quelque chose? Non, je...
Ça va. A-t-elle mangé quelque chose? Oui, elle a mangé. Et très bien même, monsieur. Ok, merci beaucoup. Oui, monsieur. Merci. J'imagine que je la verrai demain, alors. Oui, monsieur. Bonne nuit, monsieur. D'accord, bonne nuit. Mais je tire. Je voulais qu'on se parle avant que tu ne sortes de la maison aujourd'hui. On ne s'est pas vraiment si pour parler depuis ton retour. Je crois qu'on doit avoir une discussion entre père et fils. De quoi voudrais-tu me parler, papa? Tout d'abord, je voudrais connaître tes plans. Maintenant que tu es rentré, où veux-tu continuer à vivre ici pour le restant de ta vie? Voudrais-tu que je parte de chez toi? Je n'ai pas dit ça. Oui, je sais qu'on a eu des différends et tout ça. Mais tu es resté à Londres pendant 3 ans et maintenant tu es rentré. Veux-tu chercher un emploi? Faire des affaires? Quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce vraiment une mauvaise question qu'un père puisse poser à son fils? Je te le ferai savoir quand j'aurai décidé quoi faire. Bon, très bien si tu le dis. Il y a autre chose que je voudrais te demander. Que penses-tu de ma femme? Je ne comprends pas. Eh bien, ton opinion sincère, mon fils. Tu es là depuis quelques jours. Tu l'as observée. Que penses-tu d'elle? Eh bien, je ne sais pas, papa. Écoute, si tu l'aimes et qu'elle te rend heureux, moi, ça me va. Mais si tu demandes si elle comblera le vide d'une mère, alors ça, c'est un gros non. Pourquoi dis-tu cela? Je l'ignore, je sais juste qu'elle ne peut pas. Es-tu en train de dire qu'elle n'est pas assez bien pour être mon épouse? Ce n'est pas ce que j'ai dit, papa. Ce que j'ai dit, c'est que... Je sais ce que tu as dit. Et je sais ce que tu voulais dire. Iva, voici mon père, papa, Iva. Bonjour, monsieur. Ravi de vous rencontrer. Ravi de te rencontrer aussi, Iva. Qui est-ce? C'est mon assistante personnelle, papa. Oh. Ah. Assistante personnelle. Désolée de vous avoir dérangé. Oh, ce n'est pas grave. J'ai tenté de partir. J'espère avoir des nouvelles, comme j'ai dit. Bonne nuit. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Ouais. Pourquoi? Pour le... le boulot. J'ai jamais rien fait de la sorte avant. Eh bien, tu apprendras. J'ai même pas de qualification. J'ai jamais été à l'université. Ce n'est pas important. Tout ce que je veux, c'est ta capacité à apprendre. Je l'ai. Oh oui, c'est vrai. J'ai la volonté d'apprendre. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. bon, que voulez-vous que je fasse aujourd'hui? Je vais y réfléchir.
Chérie, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi tout ce tapage? Ce n'est pas comme si je te demandais le monde. Tu trouves que te donner 400 000 naira pour le shopping sans boutique, sans oublier que je t'ai donné 250 000 naira il y a de cela 3 jours. Et je suis une femme sophistiquée, pas une fille vulgaire. D'ailleurs, tu le savais avant qu'on ne se marie. J'ai des besoins et du goût. Je suis une femme classe. Tu savais tout ça avant qu'on ne se marie. En fait, tu as dit que c'était l'une des raisons pour lesquelles tu m'as épousée. Alors pourquoi parles-tu comme si j'étais une vulgaire fille? Je n'ai pas dit ça. Toutes ces choses que je fais, tous les jours, juste pour être belle, c'est à cause de toi. Parce que je veux te rendre fière. Je suis déjà fier et heureux de t'avoir comme épouse. Je me fiche pas mal. Bijoux en or ou en diamant que tu achètes. Tout ce que je sais, c'est que tu es vraiment parfaite pour moi comme épouse. Et je t'aime énormément. Je t'aime aussi, chérie. Tu sais quoi? Essayons juste d'oublier cette histoire d'argent. Je veux que tu sois heureux, ok? Non. Je veux que tu sois heureuse. Qu'est-ce que 400 000 naira? Je te donnerai l'argent. Oui. Merci, bébé. Merci. Merci beaucoup. Je t'aime tellement, bébé. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime aussi. Mon rayon de soleil. Je vais aller te chercher l'argent maintenant. Oh, ok. Je t'attends. Ok, je reviens. Je t'attends. D'accord, chérie. Je t'attends. Besoin de faire ça. Maria sera bientôt là. Ah non, ce n'est rien. Je fais cela chez moi chaque jour. Bonjour. Bonjour. J'espère que tu as bien dormi. J'ai jamais aussi bien dormi de toute ma vie. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Vous êtes vraiment très, très beau. Oh, c'est vrai? Merci. J'ai une réunion en ville, donc... Ah. Oui, je rentre dès que je termine. Ah, ok. Ah, ça doit être Maria. Ah, bonjour, Tata Maria. Bonjour, ma chérie. Tu as l'air en forme aujourd'hui. Bonjour, monsieur. Bonjour, Maria. Comment était la nuit? Bien, monsieur. Et la vôtre? Elle était superbe. Maria, je... On se voit plus tard. Monsieur, et le petit déjeuner? Oh non, je... Ça va. Ça va. Bon, on se voit plus tard. D'accord, bien. Monsieur. Est-ce que tu balayais? Je suis désolée. Vous êtes fâchée? Fâchée? Non, loin de là. En fait, tu as pratiquement fait tout ce que j'avais à faire ce matin. Donc, c'est plutôt moi qui devrais te remercier. Ce n'est rien. Je le fais chaque jour chez moi, donc vraiment, ce n'est rien. Très peu de filles de ton âge lèveraient le petit doigt pour balayer, sans parler de nettoyer la maison. Ça prouve que tu as été bien élevée, ma chérie. Merci, Tata Maria. Très bien. Alors, maintenant que tu as fait tout ce que je devais faire ce matin, j'espère que tu me laisseras te préparer le petit déjeuner. Au moins pour te remercier, ma chérie. Tata Maria, t'es vraiment très drôle.